Durant ce cours, nous allons continuer avec l'étude des mouvements de la première partie de la forme de la lance. Puis on relève la main gauche en paume au-dessus de la tête. Dans ce cours, on commence avec l'étude du premier mouvement, piqué en bas avec les pieds joints. La main droite tient la lance, la main gauche l'empoigne et la relève. La main droite empoigne le manche, on place la lance à hauteur de poitrine et en même temps on décale le pied gauche à gauche. On rabat, on joint les pieds et on pique vers le bas. Bien, je refais une fois. Bien positionné, la main droite empoigne le manche, la lance est couchée devant la poitrine. En même temps, on tourne le corps à gauche. On avance, on rabat et on pique en bas avec les pieds joints. Piquer en bas avec les pieds joints. D'abord, on se tient debout bien droit et la main droite tient la lance. La main gauche vient empoigner la lance et la relève. La main droite empoigne le manche, c'est-à-dire ici. Le bras gauche s'ouvre naturellement et on se tient bien droit. On lève la lance à hauteur de poitrine, puis on tourne le corps à gauche, on avance et on pique. Piquer en bas avec les pieds joints. La lance est courbée vers le bas. Bien, refais-le. Le prochain mouvement s'appelle relever la paume en parasant. La jambe gauche recule, en même temps on ramène le poids du corps sur elle pour descendre en parasant. Puis on lève la main gauche, on regarde à droite, paume relevée en parasant. Bien, je refais. On recule. Le deuxième mouvement, relever la paume en parasant. À partir du mouvement précédent, on lève le pied gauche et on le pose derrière. On passe le poids du corps sur la jambe gauche, on plie le genou et on descend en parasant. Puis, on relève la main gauche en paume au-dessus de la tête. La lance reste immobile devant. C'est la paume relevée en parasant. Bien, on refait une fois. Piquer en bas avec les pieds joints. Le piquage est la principale technique d'attaque de base. Le piquage en haut vise au-dessus des épaules, le piquage en bas vise au-dessous des genoux et le piquage médial se fait à l'horizontale. Les forces d'amener de la lance et de rotation de la taille se font ensemble afin de transmettre la force jusqu'à la pointe. Relevez la paume en parasant. Lors du parasant, la jambe gauche est tendue, le pied bien à plat au sol et on transfère le poids du corps sur la jambe gauche. On redresse le tronc et la tête et on regarde en direction de la pointe. Les compétitions de Wushu ont des critères précis pour la taille et le diamètre de la lance. D'abord, la lance ne doit pas dépasser la personne les bras levés, du bas des pieds au bout des doigts. Ensuite, la houppe doit faire au moins 20 cm. Enfin, le diamètre de la hampe
doit au moins faire 2,3 cm pour les hommes et 2,15 cm pour les femmes. La lance est une arme représentative du wushu traditionnel. C'est une catégorie importante des compétitions de wushu. La catégorie épée et lance de la compétition de wushu de Pékin, organisée lors des JO 2008 de Pékin, a fait forte impression au grand public. Le prochain mouvement, avancer, barrer, rabattre et piquer. On se relève, on relève la lance, main gauche devant, puis on avance le pied gauche pour aller en position du cavalier. On barre, rabat et pique. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre et piquer. Barrer, rabattre et piquer. Avancer, barrer, rabattre et piquer. On se relève, on tourne le corps à droite, on empoigne la lance, on avance et on pique devant. Puis on fait barrer, rabattre et piquer. On refait une fois, barrer, rabattre et piquer. Barrer et rabattre se font avec énergie. En combinant la force du bras droit avec celle de la taille, on ne doit pas décrire une courbe trop grande, soit un diamètre de 20 cm environ. Lors du piquage, la lance doit être horizontale et droite, la main droite touchant la main gauche. Barrer, rabattre et piquer est une des combinaisons de base en lance et sa pratique est importante. En bas avec les pieds joints. Relevez la paume en parasant. Avancez, barrez, rabattre et piquer. Faisons l'enchaînement des mouvements de secours. Le piquage doit être horizontal, droit et la force doit atteindre la pointe.
Monsieur Huang nous montre à présent les deux premières parties de la forme. Regardons maintenant l'ensemble des quatre parties de la forme de la lance. Lors du prochain cours, nous continuerons avec la première partie de la forme.